Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour le cinquième, non sixième épisode de ce Let's Play sur Transport Fever 2. Donc alors j'avais pas vraiment d'idée pour cet épisode, donc j'étais un petit peu en pleine réflexion là. Je pensais commencer la LGV mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour la faire. Donc la dernière fois je me souviens qu'on a été allé jusqu'à Anda et via Angelay. Avec cette jolie ville. Oh, il y a un petit peu de travail encore sur le terrain, hein, on va pas se mentir, mais dernière fois c'est exactement ce qu'on avait fait de souvenir. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là j'étais en train de réfléchir à ce qu'on aurait pu faire. J'étais en train de réfléchir et j'étais en train de me dire, alors Compiègne. Ok, on a notre autorail qui va jusqu'à Compiègne. Ah, notre ligne diesel par ici. On va juste passer le temps en x3. Ok. Oui, on avait fait le dépôt. Non, on n'avait pas fait le dépôt. Ça devait être l'épisode 4, le dépôt. Oh, vous vous rendez compte que j'oublie? C'est ouf quand même. Alors oui. Donc, je disais. J'avais pas tellement d'idées. Il y a peut-être un truc qui m'est venu à l'esprit. C'est qu'on puisse continuer la ligne jusqu'à Anzin. Je pensais faire ça. Faire Rombas-Anzin. Ah, par contre, ça, c'est pas ouf ouf quoi. Je viens de me rendre compte juste à l'instant là. Il est où le train? Il n'arrive pas? Bon, parfait. On va refaire ça parce que c'est pas beau. C'est vraiment pas ouf. Allez! On était carrément en pleine montée là, c'est ça le problème quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une nouvelle mise à jour. On va pas connaître. Bon, on a dit que l'on devait faire. Qu'est-ce que tu fais? Oh, pause! C'est le drame. Lui, il s'est carrément bloqué. On va vite faire refaire la ligne. On est à combien? 160? Si on pouvait être. Ok, on est à 160, c'est parfait. Si tu pouvais te relier sans faire de chichi, s'il te plaît. Est-ce que ça fait un truc dégueu ou pas? Ah non, c'est mieux quand même. Hop. Celui-là, on va mettre, je pense. Ouais, ça m'énerve bien comme ça. Hop, on re-relie. On re-relie. Hop, c'est où? Ah, ok. Ok. On va remettre les signaux juste là. Clic, clic. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui, non, c'est rien ça. Pourquoi non, t'as que 2 S? C'est des erreurs débiles que je fais des fois, c'est grave. Non, c'est pas grave. Allez, elle repart. Ok, parfait. On a notre plastique qui est toujours là. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là. Entre Hendaye et Ghana. C'est là? Ouais, bon, on s'en fout pour l'instant. Ah, le jeu il m'énerve là, il m'énerve. Alors déjà, je pense qu'on va faire nos deux voies là. On va carrément faire un peu plus de train qu'avant là. Je pense. Hop. On va se faire une grande ligne droite pour rejoindre Rouen. Avec une jolie courbe. Bien grande la courbe. À Rouen. J'ai en train de réfléchir à comment je pourrais faire ça. Oh là, je viens de voir ça là, par contre. Peut-être falloir mettre un petit peu plus de camions sur cette ligne là. C'est la ligne combien? C'est la deuxième. Non mais ça je veux. Ah non mais c'est pas ça. C'est où? Hein? Je suis perdu. C'est là. Faut acheter plus de véhicules. Pour la une. Et pour la 2. Dis-moi juste que j'ai pas mis les tout sur la 2. Sinon ça va rendre marteau.
Ah! Pardon. Voilà, c'est bon. Parce que là, il y a besoin de beaucoup plus de camions. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que Roanne serait juste une gare de passage? C'est à quoi je suis en train de penser actuellement. Roanne, je l'aurais pas mis en gare de passage. Je l'aurais mis en gare terminus. Sauf que Anzin aussi. Ah, ça va être une gare de passage, Roanne. On va pas avoir trop de choix. En 4 voies, 320 mètres, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Excusez-moi. Je détruis un petit peu le village, quoi. Ça donne quoi là? Voilà. Hein? Vous êtes content là d'avoir une gare de toute façon. Ça va bien vous aider, non? Oh, j'ai des idées qui germent là. Ça va être terminus pour cette ligne là, mais pas. Ok. C'est ce que je vais faire. Un X. Je tourne trop là. Ouais, l'idéal ce serait ça quoi. Sauf que c'est moche. Oh non, ça peut avoir son charme, hein. Si je la garde droite, ce serait pas un peu mieux? Parce que là, 95, oh, ça nous fait une petite courbe quand même, avec un peu de vitesse. Hein. C'est pas négligeable. Ça nous fait pas un truc trop dégueu là? Ouais, non, ça nous fait juste une petite courbe ici. Ouais, ça fera un petit zigzag. Ouais, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Terraforming, hop. Ah, il leur fallait un peu là. Même un peu beaucoup. Jusque là, parfait. Donc là, on a notre ligne jusqu'à Roanne. Les signaux. Alors, ça dépend où est-ce que je ferais rentrer la rame. Si je la fais venir ici. Si je devais venir ici, on va mettre un carré. Hop. Les vitesses. On est à 60 à partir de où? Ok, on va mettre ça là. L'exécution et l'annonce, on va la mettre par ici. Clic. Là. Oui. Voilà. En sens unique, bien évidemment. Clic. Parfait. Et on a juste un canton à rajouter par là, là. Ouais, c'est bien séparé. Allez, ouverture de la ligne Nantes-Roanne. Avec un seul arrêt par contre. Bon, ça fera une petite ligne, hein. Ah, mais est-ce que j'ai une voie de libre? Bah oui, j'ai mes voies de libre. J'ai des voies de libre, évidemment. Sauf que là, on est sur la branche de gauche. J'ai quoi de libre ici? Est-ce que... Bah oui, j'ai cette ligne qui est libre. Oh, cette voie, cette ligne. Cette voie qui est libre, c'est parfait. Alors, j'ai pas fait ligne 1 déjà, non? Non, pas le fret. Si je vais l'emmener là-bas. Ok, mais il me l'a mis tout seul pour l'instant, c'est parfait. Et après Newt, on a dit là-bas. On revient là. On va y avoir un peu de passage sur ce tronçon, hein. Regarde, qu'est-ce que ça donne? Oh, pourquoi ils s'embêtent à passer par là? C'est ça que je comprends pas là. Bon, on va essayer de mettre un truc discret au sol, histoire que ça se voit pas. On a le checkpoint. Voilà, on voit rien. Parfait. Après Newt, tu passes par là. Voilà, c'est quand même un peu mieux là. Ok, alors on va faire sortir un train du dépôt là. Vous savez quoi? Non, pas celui-là. Celui-là. Donc on est en électrique. Qu'est-ce qu'on a en électrique comme
Oh, on est les 10h44. On a déjà les 10h42 à gauche, je sais plus. 10h42.5, je crois, de souvenir. Ouais, 10h42.5, c'est ça. Ouais, les 10h44, ça pourrait être pas mal. Petite 10h44. Classique. Avec le ponto comme ça, ouais, ça me va bien. Ensuite, en passager. Par contre, là, je n'ai pas d'idée, là. En passager. On pourra avoir ça. Parce que sinon, ça fait vraiment trop vieux. 1962, on est en 90 presque. En 90. Ah, c'est pas beau, ça. Oh, on peut mettre de la Rio. En unité multiple, j'ai 4 voitures. 116 mètres, c'est pas trop mal. Allez, 3 rames pour l'instant. Oh, ce son. ASMR. Malheureusement, ce n'est pas réversible. Et ça, c'est chiant par contre. C'est dommage. Du coup, on va être sur un tronçon un petit peu plus utilisé. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ben voilà, on a une ligne. On a plus qu'à faire. Ah, mais la deuxième, je la fais partir de où? Ah. En plus, je suis sur un quai, même pas voie légère là. Quelles voies sont prises? Celle-là, celle-là. Ah, il me reste celle-là pour partir par là-bas. Ah, j'ai pas vraiment d'idée du coup. Oh, mais ça va qu'à 120 ça aussi. Ah ouais, j'ai fait un peu le con là. Elles vont à combien? Les 10h44, 160 en plus. Oh non, faudrait trouver un truc qui va à 160. On mettra, je pense, les Rio ailleurs. Ça, c'est du V200. Ça, c'est du V140 en PACA. Et les Rio avant à 120. On va pas remettre les domestic coach parce qu'on les a déjà mis. Les Pas-de-Calais, elles sont grises, ouf. Les années 70, ça, mais c'est un peu vieux. On va pas remettre des voitures style corail. En fait, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. En unité multiple, on n'a pas grand-chose non plus, quoi. On arrive vraiment à des périodes où c'est un peu la merde. Bah attendez, on va passer en x3. On va voir ce que nous propose en 90. Je pense qu'il y aura des meilleurs trucs. Pour l'instant, on va laisser ces rames-là. Hein. Il est bien en acier, lui? Oh ouais! Il est blindé presque. Il est pas mal du tout. Ah, il y a deux trains qui stallonnent là. On peut même apercevoir l'autre devant. On a vraiment un beau petit balai hein, par ici quand même. Et là, il a combien? 270. Ah ouais, bon, on doit être pas trop mal. Le stock il doit augmenter. Bon, on est bien. On est vraiment bien. Allez, on est bientôt en 90. Bah pour l'instant, je vais continuer la ligne. Ici, là. On est en combien? 120, hein? Ouais. Enfin non, 160. Peut-être falloir penser à ressortir un jour. Celui-là, il donne quoi? Ouais, pourquoi pas. Il n'a pas l'air trop trop mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Ouais, mais là, en fait, on monte énormément. Je vais remodifier ça un petit peu. Ah, bien sûr, la sauvegarde automatique, sinon.
C'est pas drôle. Oh, je vais remodifier la sortie parce que ouais. Ça me plaît pas, on arrive trop en. Là je pense que ce serait un peu mieux quand même. Allez. Ah c'est plus doux quand même. Et après on a une plus grosse descente dans le tunnel. C'est un peu mieux. Ouais, pourquoi pas. 12 décembre. On va virer ça. Désolé hein. Désolé, désolé. Voilà, 18 véhicules disponibles. Ouais, on a du bateau. Et 10-44 encore. Wow. Les TVR 200. Oh, et il y a du corail plus. Enfin, pas mal. Bon, on a le duplex dégueu, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que les duplex de. D'Angers sont quand même magnifiques. Allez hop. Bon, t'en as pas marre de construire là? J'ai l'impression que tu le fais exprès. C'est un peu chiant. Je le mettrais bien par là. Je mettrais 3 voies. Voilà. On va supprimer un bout de voie par ici là. Hop, 60. Non, droit. Qu'est-ce que c'est que ça alors? Ah, c'est ça? C'est ça qui a été ajouté? Ou pas? Non? Bah, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert ça en fait. En fait, je vois pas ce qui change. Ah oui, d'accord, ils ont fait en sorte que les poteaux ne soient pas sur la voie, non? Enfin, on dirait que ça fait ça. Je vais essayer de faire une TJD, voir ce que ça donne. Ah, les poteaux sont toujours sur les voies, ça change pas. Ah non, les poteaux sont toujours sur les voies, hein. Bon bah c'est pas grave, on va faire comme ceci, et en même temps ici, voilà. Mais c'est bien là, on peut aller partout, c'est parfait. Reste plus qu'à relier avec ce bras là. Hop, une courbe pas trop serrée. On est pas mal là, hein. On est pas mal. On va remettre le temps en accéléré. Parce que là, on fait pas beaucoup de revenus. Clic. Clic. Paf. Ouais, ça fait bizarre comme ça. Ça doit être mieux quand même. Ok. On va pouvoir créer notre nouvelle ligne. Faut juste que je rajoute les signaux. Ah non. Je sais ce qui manque. Pouf. L'annonce en sortie de tunnel. Nickel. Là on met un signal basique. Ok. Dans le tunnel. On est sur des cantons assez longs quand même. Mais ça le fait. Ça commence à venir deux personnes. Ça commence à venir tout doucement. Hein. Il y a encore du plastique qui attend. Bon, franchement, on commence à avoir une ville assez bien développée. Et il faut juste que je relie la gare avant. Ouais, faut relier la gare. Parfait ça. Et hop. Vendu. C'est dégueulasse ça par contre. On va être obligé d'y retoucher. C'est dégueulasse. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Ça fait des reflets bizarres. Pas bon. J'ai toujours
toujours pas compris à quoi ça servait. D'accord, bah au pire le jeu il va se construire tout seul au pire. Hein. Enfin au mieux plutôt. Ouais du coup on a pas mal de trains qui commencent à rouler là. Ah franchement ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Mais du coup on va devoir aménager ici. Parce qu'on a une nouvelle ligne à ouvrir. J'aimerais pouvoir passer à gauche là. Est-ce que je peux pas l'allonger? Au max que je peux l'allonger, c'est où? Ça veut dire qu'il faudrait que je recule un chou le portique. Et je pense que c'est ce que je vais faire. On va reculer le portique un tout petit peu. On va le mettre ici là. C'est quoi, c'est du casu, hein? Ouais, c'est ça. Faut que je le mette par ici. Voilà. Alors, on va replacer les signaux. Donc là, on a un carré. Non, un carré. Accroché. Mais quoi? Mais non, mais c'est inutile ça, Zinedine! Allez hop, ça, ça dégage. Mais qu'est-ce qu'il me fait à ma ligne là? Non, mais c'est. Non, c'est inutile ça! C'est bête! C'est bête ça! Si je supprime ça là. Oh ouais, ça part carrément en sucette là! Oh, quelle horreur! Faut que je remette mon point de passage, il va falloir que je recrée un point de passage pour le mettre. Là! Ouais, voilà, dans ce sens là, on s'en fout dans quel sens il est placé. Juste histoire que ça fasse pas de la merde quoi. J'arrive pas à le choper. Voilà. Non, on est en TJD. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Ok. Donc nouvelle ligne. Ah ça on l'a pas renommé. Train Nantes. On va où? Jusqu'à Roanne. Roanne. Ensuite, nouvelle ligne. On la fait partir de la voie 2. Est-ce qu'on peut les servir ici? Après, j'ai peur que ça fasse vraiment quelque chose d'encombré, quoi. J'ai peur que ça fasse vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on débloque? Interrégio, lycée. Ouais, on a... ouais, ok. Why not? Ouais, voilà, c'est comme ça que je voulais ça, de toute façon, allez hop. Franchement, le jeu, quand il fait ça, c'est un délice. On a quand même 4 lignes qui passent là. Hein. Alors, c'est le train Nantes. Pourquoi ça me met des majuscules? Nantes, Aranzin. Alors, on a que des lignes qui partent de Nantes, là on a 6 lignes qui partent de Nantes quand même. Elle dit qu'on mettrait un peu de 160 là par contre, hein. On va voir que ça roule. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour du 160? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour du 160? À la BR-103, perso, j'apprécie pas vraiment. Ouais, ça fait beaucoup de bruit là. Et en UM électrique, on a ça. 140 km/h. 130. Ouais, on a pas grand chose, hein, franchement.
On n'a pas grand-chose. On peut toujours mettre ça, hein. Ce sera des UM1, quoi. Je pense qu'on va mettre ça le temps de trouver autre chose. Hein. Ouais, en plus, ils ont un son basique, quoi. Ils ont un son basique. Et s'ils changent de couleur, ça fait quoi? Oh, bon, on va les passer en noir, en plus. On va les passer en noir. Ils seront mieux, je pense. Allez, on se dépêche. Next en noir. Mais c'est... quel est le principe? What is the principe, frérot? De faire ça, là? Bon, tant que ça marche, c'est bon. Ça me gêne pas. Oh ouais, comment ça coince un peu par là. Moi je vais faire ça. Hein. On n'a pas trop le choix. Ouais, voilà. On n'est pas trop mal là. Allez, 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 allez. Ah, il y a toujours les trucs bleus là. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas beaucoup. Ah, ça, on a dit qu'on allait remplacer ça aussi derrière. Parce que je déteste la couleur. C'est quoi un UM3? Et bien, les UM3 de ça, on va les remplacer par des UM3. On a ceux-là aussi. Oh, oh oui. Oh oui. Oh, c'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Ça va rester comme ça. Ça va clairement rester comme ça. On a pas mal avancé là. On a déjà fait nos deux lignes. Ah, ça risque de bloquer un peu dans le coin. C'est sûr que là. Oh, on va... Déjà, ça manque d'un canton ici. Déjà. On essaie de décanter un peu le truc là. Ça manque d'un canton ici aussi. Oh là là là. Ça se... Oh, ça se passe pas comme je veux là. Ça manque clairement de canton. On devrait être un petit peu mieux. Ok. Ah, c'est vrai que sur le pont on peut pas mettre deux cantons parce que sinon ça rend tout moche. Bah, je pourrais en mettre un là. Ah bah si, on est presque au milieu en plus là. Allez. C'est bon, les potales ont l'air plus écartés qu'avant. Oui, j'ai bien dit potales, hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais, là ils sont pas autant écartés que là. On est d'accord. Ouais, ils ont changé l'écartement. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on débloque? Oh, on a ça. Oh oui, on va pouvoir faire des rames tractées du coup. Oh là là. Le mec il passe sous les barrières, ils sont trop forts. Alors on a une arme tractée, mais du coup ça on pourra les changer déjà. Parce que franchement je suis pas fan du tout de ça. Et du coup on peut faire ce que je pense avec ce qu'on a eu là. Ou c'est des diesels. Des unités multiples en diesel. C'est pas ça quand même. Ah bah si, c'est ça qu'on a eu. Je suis dégoûté. Oh non, on est en 92. Mais non, c'est des voitures. Qu'est-ce que je dis? Ah ouais, c'est des voitures. C'est apte à 140. Ça irait plus vite que... Bah, pas que... que pas... On a quoi comme lock? On a toujours pas grand-chose, quoi. Ah si, on a débloqué les... On a débloqué celle-là. Comme ça, ça fera une petite variante. On va les mettre en vert, on a que de la seconde classe. Allez. 1, 2, 3, 4.
pense. Là, c'est à l'arrêt. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait une petite liaison un peu plus. Je préfère ça comme ça. On va quand même se faire un dernier truc là. Avant d'arrêter l'épisode. On va quand même se faire un dernier truc quand même. Parce que j'ai l'impression de pas progresser. Je vous jure, j'ai l'impression de pas avancer. On va relier jusqu'à Mulhouse. Et la prochaine fois, ce sera LGV. J'ai annoncé. Vous l'avez entendu, il n'y a pas de problème. C'est quoi la vitesse là? Sinon c'est 160 là. Ok. Allez hop. En ligne droite, toujours. On va mettre ça en bivouac jusqu'à Mulhouse, je pense. Mais si on fait passer le TGV... Attendez, je suis en train de prévoir le TGV. On le ferait passer par la voie express. On le ferait passer par Saint-Dizier. Et après, Oyonnax. Et on a Cagnes tout là-bas. De toute façon, je pense qu'il y aura deux LGV. Ah non, c'est où Oyonnax? Oyonnax. Au niveau de Provins, il pourrait reprendre la... C'est bon, j'ai. J'ai. Cherchez pas. Mulhouse-Lille. Pride for réalisme. Nos problèmes. Allez hop. Je prépare les voies déjà. On aura qu'à les mettre tap tap V200 ici là. Alors hop tap V200. Alors bougez pas. Petite ellipse, j'arrive. Voilà, petite ellipse effectuée. Alors je disais, on va les mettre V200. Et je ferai bien des voies de passage là en fait. Je suis de retour, j'arrête pas de me faire interrompre, c'est pas grave. On va reconfigurer ça. Et on va dégager les voies centrales. Par contre, ça déconne à mort, après là, ça lag à chaque fois. Le petit gars, c'est un petit peu chiant. Oui, oui, le petit jeu. Ok. On a dit qu'on passait les voies en V200. Et les terminaux, on a 4, 1, 2, 3, 4. Donc celles-là ne seront pas des services, ce seront des voies de passage.
Donc là, on peut se mettre des voix, soit... Non, pas des blanches. Droite. Hop. Pas j'essaie des trucs hein, avec les nouveaux ajouts, on sait jamais, ça se trouve ça marche. Ok, là on est bien. Ah du coup pendant les ellipses on... Ah bah, les 10-14 bien évidemment, on les bloque maintenant. Super le jeu, super. Bon. Ouais, on se dépêche là. On a 36 minutes, allez, on a dit. On se faisait un petit épisode de 40 minutes. Enfin, je me suis dit. J'aime bien 40 minutes, moi. On va faire un grand passage à niveau là. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais. Un PN avec 4 voix. Allez, clique. Ouais. Par contre, toi, c'est... Non, non, non. C'est pas possible, ça. Mais ça va pas ou quoi? Espèce de fou. Hein. On a la grande ligne droite, là, jusqu'à Mulhouse. À Mulhouse, je pense qu'on va faire une grosse gare. Ça partira sur une 8 voies, Mulhouse. On va trouver des trucs à faire, moi, je vous dis. Moi, je veux vraiment un gros truc. Au moins 6. Et là qui serviront toutes du coup. Pourquoi collision? Oh, ce jeu va m'embêter jusqu'au... Ah c'est peut-être juste ça en fait. Ah ça touche partout, allez hop. Ça plaira. Parce que ça me gêne. Pouf. Elle est collée comment la gare là? Elle est un peu loin quand même. Ok, on est pas trop mal à parquer. Allez, je fais échappe là. Wow, là, à peu près droite. Allez, à peu près droite. On a dit que là, on allait mettre des 400 mètres. Faudrait l'étendre de l'autre côté. Et là, les gens, ils sont pas contents. Parce que sinon, ils sont bloqués. Bah là on a déjà les sorties en fait. On n'a pas besoin de rajouter de sorties, c'est parfait. On a 38 minutes. Bon allez, je finis de faire les voix pour cet épisode là, puis on sera bien. De toute façon c'est des voix à 120 en gare. Bon, on peut même mettre des 60 hein. Maintenant faut que je configure, faut que je rajoute des voix parce que sinon à chaque fois ça déconne avec moi. Voilà, c'est bon. Là après on met du 60. Voilà. Hop, comme ceci. Celle-là, on va les avancer un petit peu. Jusque là. Un truc d'assez smooth. Du coup je me tâte à faire le Nantes en deuil. Du coup c'est à ça que je pense là. Hop, on va laisser à 60. Pouf. On se remet un petit portique. En plus c'est un 4V donc c'est parfait. Signaux. Là je pense que ce sera un terminus par contre. Hein. Faut pas pousser non plus. On peut se mettre l'aiguille là en plus. Au niveau du quai. L'idée me plaît pas trop mal.
signal de départ. On va carrément le coller là. Voilà. On a ici. Et donc là, on réalise juste la fin du tracé. On va avoir une grande courbe. IPCMB. J'aime pas du tout le terrain là. En fait là, est-ce que je peux le faire comme ça? Le problème c'est qu'on a une tranchée énorme. Ça donne quoi sinon? Ah non, c'est pas beau. Ça remonte trop d'un coup. On va plutôt avancer ces voies là en premier. Et après on va avancer ça en premier. Donc on a une légère descente. Là ça m'a l'air un peu mieux quand même. Ça m'a l'air un peu mieux. On débloque quoi avant la fin de l'épisode? Vite, dépêchez-vous, faut que je tienne mon quota de 40 minutes et pas trop quoi. Dernière, elle faisait 50 de souvenirs. Allez hop, 200. Putain, c'est parce que la voix, 1 million quoi. C'est ouf. Paf, parfait. J'arrive pas à cliquer là où je veux. Et bien sur ce, moi je vous dis à merci.